Oh, un chien, j'ai peur des chiens. Oui, j'ai compris. Excusez-moi, oui. Il y a un chien, oui. Vous pourriez s'il vous plaît le chasser? Oh, et le chaton a des problèmes, je dois être courageuse. Ah. Chut, 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 chut. Oui, fuis, tu n'attaques pas les plus petits. Chaton, où es-tu? Sors de là, le chien effrayant est déjà parti. Ah, te voilà. Oh, tu as dû avoir très peur. Oh, et tu n'as personne? Rentrons à la maison. Oh non, chaton! Relève-toi! Oh non! Non! Oh, ça devrait t'aider. Je t'ai eu! Ah! Enfin, j'ai mis trop de temps à te nourrir de la main. Mais je sais ce qu'il faut faire. Ouh! Oh, moi aussi j'ai faim. Je devrais aller chercher quelque chose à manger. Oh, Kitty, où es-tu allée? Oh. Oh, te voilà. Je n'avais pas réalisé qu'un petit chaton pouvait faire autant de dégâts. Nous allons devoir nettoyer cet endroit. Mais d'abord, nous allons te laver. Oh. Oh, oh, tu frissonnes. Cette baignoire doit être trop grande pour toi. C'est bon, j'en ai une plus petite. D'accord. Tu vois, ce n'est pas du tout effrayant. Ouh, moi aussi, je prendrais bien un bain. Ouh. Voilà, maintenant nous sommes propres. Ouh. Oh, c'est terrible. Oh, Burk. Et pour moi. Et maintenant, on essuie. Et pour moi. Eh bien, je t'aime beaucoup mieux comme ça. Oh, ces griffes! Allons te faire une manucure. D'accord, 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 d'accord. C'est ça, maintenant tu as de belles griffes. Oh, terrible! Mes griffes ont besoin d'être travaillées. Allons-y. D'accord. Assieds-toi ici. J'y avais pas pensé. Je dois te faire des toilettes. Ça, ce sera très bien. Mais on doit la décorer. D'accord, d'accord. Eh bien, c'est tout. Tu dois faire pipi là-bas. Voilà. Oh, comme c'est ennuyeux. J'aimerais pouvoir jouer à une console en ce moment. Seulement aujourd'hui, la console est à 5 000 $. C'est un prix très bas. Et voilà, je n'aurai jamais de console. Ne sois pas triste, tu n'as pas besoin d'une console pour jouer. Sauf que, qu'est-ce que je peux utiliser pour jouer avec toi? Hein? C'est fait. Oh, j'ai une idée. Waouh. Alors, qui est le suivant? Encore un peu et j'aurai une console. Bonjour, je voudrais commander une console. Oui, tout de suite. Waouh, merci à vous. T'es le meilleur des chats. Oh, tu veux dormir, bébé. D'accord, je dormirai par terre. C'est tellement ferme. Mon berceau est doux et confortable. Nous devrions te faire un lit.
D'accord. Nous y voilà. Maintenant, tout le monde aura sa propre place. Oh, tu es debout si tôt. Oh, tu voulais aiguiser tes griffes, n'est-ce pas? On doit faire quelque chose. Ah, reste ici et ne gratte rien. Je reviens tout de suite. Nettoyer. Je me demande qui est là. Salut, j'espère que t'as pas oublié notre projet scolaire. Hein? Je suis désolée, mais je dois... Oh, il est si mimi, je peux jouer avec lui. Je suis désolée, mais il a déjà un déjeuner prévu maintenant, voilà. Allez, rends-le-moi. Allez, s'il te plaît, juste un peu. T'es radie, regarde à quel point il veut jouer. C'est mon chaton, il veut pas jouer. Oh. Ton chaton est enragé, il m'a mordu! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est ce dont j'ai rêvé toute ma vie! Oh, où est-ce que tu vas? Je dois le dire à tout le monde que je suis Hello Kitty maintenant! Ah, de la nourriture! Regardez qui est là! Salut Kitty! Regarde ce qu'on a! Oh non! Oh oui! Ah, ah, ah. Oh. 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 Oups. Bonjour Kitty. Après la classe, tu viendras immédiatement dans mon bureau. C'est bien fait pour toi. Tu n'as rien à faire dans notre école. Bonjour les filles. Oh, il est si beau. On serait parfait ensemble. Tu pues la nourriture pour chat. Il va surtout être avec moi. Ah, laisse-moi partir. Oh. Qu'est-ce que t'as fait? Tu vas voir maintenant. Ah, est-ce que je viens d'arrêter le temps? Oh, oh. Qu'est-ce que tu viens de dire à propos de la nourriture pour chat? Non, c'est fini, plus de soleil pour moi. Je peux pas le croire, je suis un vampire maintenant. Les vampires sont trop cool. Ça veut dire que je dois devenir cool aussi. Alors tu veux être cool, hein? Qui est là? Oh, ce n'est que moi. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Ashley et je déteste ces vampires prétentieux de la rentrée scolaire. Alors je suis là pour t'aider à devenir cool. Alors, t'es partante? Oui. Oh wow! Viens ici. Assieds-toi. Où est le reflet? Crois-moi, tu as l'air terrible. Mais nous aurons quand même besoin de ton reflet, alors tiens. Oh, je suis de retour dans le miroir. Oui, maintenant on va commencer. En fait, on devrait peut-être juste... Non, tu peux le faire, Ashley. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Oui. Oui, et maintenant... Pow! Oh, oh! Est-ce qu'on a déjà fini? Pas question, non. On ne fait que commencer. Oh! Tiens, regarde. C'est quoi ce truc dégoûtant? C'est ton oreille. Oh, est-ce qu'un rat vient de passer en courant? Ici. Et voilà. Oh, quoi?
D'accord, il nous faut quelque chose de plus fort que ça. Ok, tourne-toi de ce côté. Sors de là, arrête de te comporter comme un chat, d'accord? Non, je ne sortirai pas tant que cette chose sera là. Tu n'as pas peur des aspirateurs. J'ai pas peur des aspirateurs. Oh, tu sais, je pense qu'en fait, j'aime bien ça. Ok, ton nez. Oh. Depuis quand tu as des boutons comme cela? Depuis toute ma vie. On va se débarrasser d'eux. Allez. Super. Ok, on a fini. Je veux pas t'alarmer, mais... D'accord. Je sais ce que je dois faire. C'est fait. Ok, viens ici. Oh, ça sent aussi mauvais que ça en a l'air. Bon sang, j'aurais jamais pensé apprécier l'odeur de l'ail. Allez, Kitty, tes dents ont aussi besoin d'être nettoyées. C'est une boule de poils. Vraiment, Kitty, désolée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous nettoyons tes crocs. Tu sais, j'ai toujours voulu être un vampire. Quand j'étais petite, j'adorais faire semblant d'être un petit chat vampire. Tous les autres chatons se sont moqués de moi, mais regarde-moi maintenant. Je suis un vrai vampire. Et maintenant que tu ne peux plus parler, je peux travailler sur tes cheveux. Oh, je vais arranger ça tout de suite. T'es prête? C'est bon. Stop. Alors, je suis jolie maintenant? Presque. Hey, et si on faisait... Non, je veux pas être chauve. Très bien, alors que dirais-tu de belles boucles légères? Faisons-le. Ici. Et voilà. Tout est fait. Wow. Très bien. Maintenant, on va travailler sur ton maquillage. Ce poisson n'est pas du tout comestible. C'est parce que ce n'est pas de la nourriture. Je me sens tellement belle maintenant. Prenons des selfies. Bien sûr. Regarde-les. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai un peu de fourrure. C'est pas grave. T'appelles ça un peu? On n'est pas obligé de faire ça. Laisse-moi juste être... Pas question, mon ami. D'accord, t'es prête? Non. Je t'avais dit que j'étais pas... Désolée, je t'ai pas entendu. De toute façon, on a presque terminé. Non. Ne sois pas si fragile. Allez, réveille-toi. Ça marche à chaque fois. Je suis trop jolie maintenant. Mon crush va me tomber dessus. Tu seras encore plus belle quand on aura changé ta tenue. Ne fais plus jamais ça. Eh bien, c'était un peu gênant. Regarde tous ces trucs. Maintenant, nous allons finaliser ta transformation vampirique. Faisons-le. Bien sûr. C'est trop révélateur. C'est trop guindé. Et celle-là te fait passer pour une idiote. Tu sais, j'ai une meilleure idée. Tada! Alors, qu'est-ce que t'en penses?
Waouh! Maintenant, t'es prête. Affrontons ces brutes. Ouais, c'est vrai. Et puis ensuite... je pense toujours pas que je suis assez jolie pour Denis. Tu plaisantes, tu es parfaite, ma meilleure amie. Eh bien, me voilà. Attends, tu devrais plutôt voler. Allez, tu peux le faire. Oui. Ah ouais, enfin. Est-ce que tu voudrais venir dans les cryptes avec moi ce soir et... bien sûr, je le peux. En fait, on va y aller tout de suite. Désolée, Sophie, je sors avec Kitty maintenant. Oh. Très bien, t'as eu tes 5 minutes de gloire. Il est temps d'utiliser ma malédiction d'Intello. Halt, non. Abracadabra, transforme-toi en Intello. Non. Oh, oups. Oh, oh non. Oh non, je suis si laide. Oh non, comment je peux t'aider? Je pense pas que tu puisses, je dois y aller. T'es réveillée, la moche? T'es fini. Et ta protection ne t'aidera pas. Et tes boutons... Pourquoi c'est comme ça à l'école? Je m'appelle Mélissa. Je suis Ashley. Tu es si belle. Toi aussi, tu peux devenir belle. Moi, je vais t'aider. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une blague? Non, c'est le début d'une nouvelle amitié. Surtout que le premier jour à l'université devrait être le meilleur. Eh bien, il est trop tôt pour sourire. Débarrassons-nous d'abord de ce truc. Il était temps. Oh! Ah. Hum. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Je suis libre. Pas vraiment. Tu as des monstres verts dans les dents. Assieds-toi. Un seul n'est pas suffisant. J'espère que ce sera suffisant. Passe à l'étape suivante. Quelle étape? Mélissa, tu me fais peur. Et j'ai peur de ça. Non, tu peux pas, non. Ok, calme-toi. Des maths? J'aime pas les maths. Un test? Très bien. Et je l'ai déjà résolu. On commence. Oh, c'est parti. Mais celui-ci doit partir aussi. Les boutons ont disparu. Mais il y a de l'acné. Que faire? On a un masque pour les points noirs. Il ne nous reste plus qu'à attendre. 10 minutes. Les boutons ont disparu. Ouais.
Maintenant, passe à l'étape suivante. Laisse-moi t'aider. Oh, ça fait mal. Oh. Ça, c'est une astuce de vie. Non, pas encore. Ne t'inquiète pas, il y a un gadget spécial pour ça. C'est pas douloureux. Pas plus douloureux qu'un bonbon. Mon visage brûle. Ah! Ne pleure pas. J'ai un gel rafraîchissant pour ça. Oh. Wow. C'est mieux? Beaucoup mieux. Tchou! C'est nouveau, ça. Mais on va s'en sortir aussi. Prête? Hein? Oh! Oh! Et on a réglé ça aussi. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Hmm? Qu'est-ce que c'est? Oh! Mes écouteurs! Où étaient-ils? Là où ils ne devraient pas être. Bon, c'est l'heure du maquillage. Oh! Oh! Waouh! Débarrassons-nous d'abord de ces cernes. Et ça, c'est pour les lèvres. Je pourrais utiliser quelques patchs après tout ce stress. Magique. Alors, je suis belle? Je vais essayer. Phew. Oh, trouvé. C'est exactement ce qu'il nous faut. Oh! Eh bien, quelle beauté! Non, 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 j'ai déjà mis de la crème aujourd'hui. C'est du fond de teint. Et voilà! Maintenant, même si tu as un bouton, il ne sera pas visible. Oh, cool! Maintenant, il faut dessiner les sourcils. Oh, je peux le faire! J'ai eu un A en dessin. Voilà. C'est fait! Alors, c'est bien? Ça se voit? Ça se voit un peu trop. On va utiliser un pochoir. C'est pas comme si on était en classe. Tu tiens ça. C'est fait. Oh, t'aurais aussi pu avoir une bonne note. C'est pas tout. On va ajouter un peu d'éclat. Tant d'étincelles! Il reste un peu de fard à paupières à faire. Et la touche finale, c'est ce gadget pour l'eyeliner. C'est ce dont j'avais besoin. Mais nous devons encore faire quelque chose pour les cheveux. Et on doit attendre un peu. Bonjour, nouvelle collection, j'ai besoin de cette pièce tout de suite. Mélissa, c'est comme ça que ça doit se passer? Oui, oui, par un livreur. Relève-le vite. Je suis à nouveau en épouvantail. On va arranger ça. Voilà, on a tout arrangé. J'ai jamais eu les cheveux aussi brillants. Ajoutons plus de volume et de boucles. On dirait des ressorts. Est-ce qu'on devrait ajouter des strass? Oui. Je suis
si jolie. Très belle. Mais la tenue gâche tout. Mais elle est confortable. Et on a besoin qu'elle soit confortable et belle. Que penses-tu de ça? Oh! Ouh! Ça pique! Ah oui, c'est pas assez confortable. Eh bien, c'est pas vraiment ma taille. Eh bien, oui, c'est un peu trop révélateur. Oh, tu es magnifique! Ça te va vraiment bien. Mais tu dois changer les collants. Peut-être qu'on devrait pas. On doit. J'ai essayé de les raser, mais le rasoir s'est cassé. Ouais. Pourquoi utiliser un rasoir quand on a de la crème dépilatoire? Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ta brosse à pied, elle était cassée aussi, n'est-ce pas? Merci. Tu peux mettre tes chaussures maintenant. Attends, je vais te montrer comment faire. À droite et à gauche. Ça marche. Bon travail, j'ai failli oublier. C'est magnifique, Mélissa. Merci. Et maintenant, ton premier jour d'école. Bon, on réessaie. T'es sûre que je peux le faire? J'en suis sûre, tu t'es vue. D'accord, accueille-moi à l'université. Ne reste pas dans le... Oh, tes nouvelles? Je peux t'aider? Eh bien, je... Allez, sois courageuse. Je me demandais si tu pouvais me faire visiter, me montrer les alentours. Bien sûr. Allez, viens. Ça ira maintenant. Mademoiselle Mélissa, ils vous attendent. Quoi? La cérémonie de remise des prix a commencé et vous n'y êtes pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Félicitations, Mélissa. Tu as encore gagné le titre de la fille la plus populaire. Mélissa, t'es la meilleure. Oui, Mélissa, tu l'es vraiment. Donc, le titre de la fille la plus populaire te revient de droit. Tu veux de l'eau? Non, merci. Monsieur le principal, chers amis, je suis très heureuse que vous m'ayez à nouveau choisie comme la plus populaire. J'essaie de m'améliorer et d'aider chacun d'entre vous. Mais je veux que vous sachiez que chacun d'entre vous est digne d'être l'élève le plus populaire. Et je serai heureuse pour chacun d'entre vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un examen à réviser. Je pourrais être la fille la plus populaire de l'école. Quoi? Oups, est-ce que j'ai dit ça à voix haute? Qui, toi? Sauf si tu es la personne la plus populaire et la plus moche. Eh bien, je voulais pas... Hey, vous êtes en train de faire quoi? Tiens, au fait, tu t'appelles comment? Christy. Christy. Christy pourrait être plus populaire que Mélissa. Tu le penses vraiment? Ah, bien sûr que je ne le pense pas. T'es une loseuse. Tu ne seras jamais plus populaire que Mélissa. Tu ne lui ressembleras même pas. Je suis moche. Je suis une loseuse. Je dois devenir comme Mélissa. Et un make-up artiste va m'aider pour ça. J'ai besoin des meilleurs artistes. Je crois que j'ai trouvé. Une équipe de super professionnels va faire de toi un super modèle.
Le prix est seulement de 15 000 $. Et ton rêve deviendra réalité. Oh. 15 000 $? Ouais, c'est une telle bagatelle. Oh. Adieu mon voyage autour du monde. Je dois devenir belle pour que personne ne se moque plus jamais de moi. Hein? 850, 852... Il me manque 14 148 $ pour arriver à 15 000. Ce n'est rien. Pourquoi j'ai besoin d'argent? De toute façon, je peux me faire belle. Mais... ces horribles boutons... Mes lunettes, mes dents... ça fait mal. Ok, on s'occupera des boutons plus tard. Débarrassons-nous de ces stupides lunettes. Ça n'a pas l'air si mal sans lunettes. Juste une petite retouche et c'est tout. Oh, je crois que c'est le fond de teint. Oh, je vois rien. C'est mieux. Je vois rien. Maintenant, je dois souligner mes yeux et mes lèvres. C'est tout. La 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 la. Le maquillage est prêt. Eh bien, non, je me suis bien débrouillée sans mes lunettes. Je pourrais faire la couverture d'un magazine. Je dois juste changer mes cheveux et mes vêtements. Mélissa ne porterait certainement pas ça. Non, la musique d'abord. Oups! Oups, devenir jolie est douloureux. Il y a le placard. Cette Mélissa n'est pas de taille pour moi. Elle va me demander de la rendre aussi jolie. Ça suffit, mon relooking est terminé. Tout le monde va être choqué de voir à quel point je suis belle maintenant. Pas du tout. Les vraies beautés ne portent pas de lunettes. Il est temps d'impressionner tout le monde avec ma beauté. Et s'ils ne me reconnaissent pas? Je vais faire semblant d'être nouvelle. Maintenant, c'est l'heure de faire une belle promenade. Waouh, quelle beauté! Oh, je peux avoir ton autographe, s'il te plaît? Bien sûr. Waouh. Oh, regarde, regarde! Ouais. Et elle est tellement effrayante. Oh, je sais même pas qui c'est. Mais c'est l'affreuse Christie, sauf qu'elle est devenue encore plus effrayante. Ok, maintenant, est-ce qu'on montrait la vidéo à tout le monde? Allons-y! Salut tout le monde! C'est qui ça? C'est la vilaine Christie?
Christy, ne fais pas attention à eux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, j'ai compris, t'es juste jalouse de moi. Non, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai compris, tu n'es pas de ce genre-là. Et ils se moquent de toi et j'essaie de t'aider. De quoi tu parles? Ils m'admirent parce que je suis jolie. Regarde par toi-même. Comment elle peut ressembler à ça? C'est affreux. Tiens, prends ça. Mais quelle horreur! Des mouchoirs? Christy, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ça arrive. C'est bon, personne ne se souviendra de ça demain. C'est facile à dire pour toi. Tu es belle et riche. Tu veux que je te rende belle et populaire? Tu le ferais vraiment? Je le ferai. Nettoyons d'abord ça sur ton visage. Oui, merci, merci, merci à toi. Voilà, et ne pleure plus, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'attends? Allons me rendre plus belle et populaire. Et si on commençait par un cours de maths? Non, les maths peuvent attendre. Ma transformation ne peut pas attendre. Ok. Je peux avoir une manucure et une pédicure? Bien sûr. J'aimerais pouvoir me transformer, mais j'ai pas autant d'affaires que ça. On va y venir aussi. Mais d'abord, lavons cette horreur. Bien sûr, je suis juste un peu nerveuse. Pas de souci. Quelle grande pièce tu as? Ouais, oui. Waouh! Waouh! Tu as plus de maquillage que dans un magasin! C'est tout ce dont une fille a besoin. Je croyais que c'était des livres. Ça aussi. Ok, cette mousse est censée te débarrasser de tous les trucs en trop, là, sur ton visage. Même l'appareil dentaire? Non, j'ai peur que non. Oh! Mais on va trouver autre chose. Maintenant, va dans la salle de bain et lave tout ça. Ok. Ça va être pratique. Waouh, tu as même un jacuzzi! Oui, j'aime bien m'y détendre après une dure journée. C'est trop cool! Au fait, je ne savais pas quelle serviette prendre, alors j'ai pris celle-là. C'est la serviette de mon chien. Mais ne t'inquiète pas, elle est propre. La femme de ménage me l'a apportée ce matin même. Bien, voyons ce qu'on a ici. Des sourcils envahissants, moustaches, boutons... Ouais, ça va être plus difficile que ce que je pensais. Oh, je savais que ça marcherait pas. Ça va marcher. Il faut juste un peu plus de temps. Alors, t'es prête? Je suis prête. Encore combien de temps? C'est prêt. On peut se maquiller maintenant? Ne me presse pas, on a le temps. Maintenant, on peut se maquiller. Ouais, on peut ne pas mettre de rouge à lèvres? Non, et je connais une solution. Encore combien de temps? Encore une minute. C'est bon, le maquillage est prêt. Oh, je suis belle! On doit te débarrasser des lunettes. Et faire quelque chose avec tes dents. Et les lentilles. Waouh! Bébé, où est-ce que tu as caché cette jolie fille?
On peut faire autre chose avec les cheveux. T'as raison. Une main emmêlée dans les cheveux n'a pas l'air assez chic. Ok, faisons de jolies boucles. Mélissa, je prends le sac? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je boucle mes cheveux. Regarde. Wow! Maintenant, tu es définitivement prête. Oh, wow! Est-ce que je suis vraiment aussi belle? Tu l'es vraiment. Il n'y a plus aucune trace de l'ancienne loseuse Christy! Merci! Il ne reste que ses vêtements. Ah oui, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, on va te trouver quelque chose dans une minute. Ok. Que penses-tu de cette robe? Non. Et si... Et si on choisissait celle-là? Non, toujours pas ça. C'est quelque chose d'intéressant. Ouh. Wow. Tu es divine. Mais cette robe irait mieux avec des talons. Il y a un problème? Non, non, pas du tout. Tu ferais mieux de venir t'asseoir. Il y a juste une dernière touche. C'est pour quoi faire? Pour ta sécurité et la mienne. Est-ce que ça fait mal? Non, bien sûr que non, tu ne sentiras rien du tout. Maintenant, tu peux porter des talons. Merci, Mélissa. T'es la meilleure. Maintenant, personne ne va traiter de moche. Ouais, ils seront jaloux de moi. Oh! Wow! Christy, je peux prendre une photo avec toi? Bien sûr. Je peux prendre une photo aussi? Bien sûr. Christy, j'ai jamais rencontré une fille aussi jolie que toi. Veux-tu m'épouser? Juste comme ça? Christy, tu es adorable. On veut faire de toi le visage de nos produits de beauté. Tu nous donnes quelques photos et on te donne $1 million. Je vais le faire. Ouais, je t'aime, Christy. Je te parle pas à toi. Je dois encore réfléchir à ta proposition. Je vais attendre. Alors, on commence ou quoi? Oui. C'est bien, j'ai jamais été photographiée. Christy, tu es un mannequin né. Voici tes honoraires. Christy, on t'envoie tout notre maquillage. Après tout, tu mérites le meilleur. Mouah. Maintenant, je suis belle, riche et populaire. C'est tout ce dont je rêvais. Peut-être que je devrais pas. Un seul embarras est suffisant pour moi. Où vas-tu? J'ai oublié mon livre de maths à la maison. On a un examen aujourd'hui. N'invente rien. J'en ai un de rechange. Eh bien, Mélissa, je suis inquiète. Ils vont peut-être encore se moquer de moi. Ils ne peuvent rire que d'eux-mêmes. Tu es parfaite. Maintenant, inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, vas-y. Tu vas te déchirer. C'est vrai, c'est vrai. Waouh, on est une nouvelle fille à l'école? Non, c'est cette mocheté de Christy. Sauf qu'elle n'est plus moche. Christy, comment t'as réussi à cacher une telle beauté? Il veut dire que t'es ravissante. Christy, est-ce que je peux porter ton sac à dos en classe? Moi aussi. Mais je n'ai qu'un seul sac à dos. Non, moi! Non, moi! On va le faire ensemble. Ouais.
Je crois que je suis amoureux. Moi aussi. C'est comme dans mes rêves. Bien que, non, je pourrais même pas rêver de ça. Et je suis jolie. Les gars, ne vous battez pas. Tu peux porter mon sac à dos et tu peux m'ouvrir la porte. Oui. Oui. Entre. Wow. Elle est magnifique. Merci. Vous pouvez y aller. Je peux m'asseoir à côté de toi. Pourquoi toi? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes digne de vous asseoir avec cette jolie fille? En fait, c'est mon amie et je vais m'asseoir ici. Quoi? Dégage de là! Je serai avec elle! Moi! Partez d'ici! Je me suis assise ici en premier! Partez! Vous pouvez tous vous asseoir à côté de moi! C'est ma place! C'est à moi! C'est mon siège, Christine! C'est mon siège! C'est pas grave! Bonjour à tous! Hello. Assieds-toi. Merci. Christy, je peux avoir ta chaise? Mais je suis assise dessus. C'est pas grave. C'était gênant. Oh, nous y voilà. Je ne suis plus laide, mais je ne suis toujours pas populaire. Peut-être que je suis pas destinée à être populaire. Ne dis pas ça, tout le monde peut devenir populaire. Oh, je suppose que ce n'est pas vrai. J'ai trouvé, je sais, c'est génial. Yay! Je sais, je sais. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? On va te faire faire une vidéo TikTok cool. Mais je sais pas comment tourner des vidéos TikTok. Je connais même pas les tendances. Je vais te montrer. Attends ici. J'ai trouvé. Tiens, regarde. Je vais te montrer. Mélissa, c'est trop cool! Je pourrais jamais danser comme ça! Tu n'es pas obligée, tu peux le faire 100 fois mieux, j'en suis sûre! Je sais pas. Arrête de douter de toi! Tu es belle! Maintenant, répète après moi! Maintenant, ajoutons un peu de richesse. Le public adore ça. Oups. Alors, est-ce que ça a marché? Tu sais, TikTok, c'est du siècle dernier. Essayons autre chose. Eh bien, montre-moi, je veux voir ce que ça donne. Peut-être que tu ne devrais pas. Mais... Allez, Christine, ne sois pas triste. Faisons une vidéo ensemble. J'ai besoin de rien. Christy, attends. Je voulais l'aider, moi. De qui je me moque? Je serai jamais populaire. Si même Mélissa n'a pas pu m'aider, personne ne le pourra. Ça finit, plus de robe. Je vais porter des vêtements ringards. Comme ça. Et les vêtements ne suffisent pas pour faire une intello. Et j'ai pas besoin de maquillage non plus. C'est tout. Il ne reste plus rien de la belle Christy. Eh bien, c'est tout. J'espère qu'on se moquera pas trop de moi. Mais il faut bien qu'il se moque de quelqu'un. Et apparemment, ce sera moi. Waouh, vous avez vu ça? Wow. C'est trop cool. Quelle vague.
Est-ce que quelqu'un a vu Christy? La fille drôle? Ouais, sauf qu'elle pense qu'elle est moche et qu'elle ne mérite pas d'être populaire. Quoi? Elle est devenue si populaire! Tiens, regarde! Tout TikTok la cherche pour donner un prix à la vidéo la plus drôle. Ouais, ouais. Mm-hmm. Quoi? Mais je dois la trouver et lui dire immédiatement. Ouh. Oh. Oh. Il y a une vague. Uh-huh. Oh, oh, fais tourner. Hey, les amis, regardez, c'est elle. Oh, ouais, sauf qu'elle a l'air un peu différente. On devrait prendre une photo avec elle et lui demander de nous apprendre ses mouvements cool. Ouais. L'important est de ne pas attirer l'attention. Et personne ne me remarquera. Oh. Voilà, je t'avais dit de ne pas attirer l'attention. Tu es Christy, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Allez-y, moquez-vous de moi, mais faites vite. Et je courrai pleurer comme une loseuse. Pourquoi on se moquerait de toi? Mais sinon, pourquoi vous approcheriez de l'affreux intello? Pour prendre une photo? Et pour apprendre à danser comme toi? Oui. Très drôle. On ne plaisantons pas. Ta vidéo est la plus populaire sur TikTok. Vraiment? Mais c'est impossible que ce soit vrai. Je peux prendre une photo avec toi? Bien sûr. Non, garde-les. Elles te vont très bien. Et maintenant la danse. Ouais. C'était trop cool. Merci. Tout ça, c'est grâce à toi. Quoi? T'es la plus cool et la plus populaire. Tu as aussi gagné $1 million pour la vidéo la plus drôle. Passe-moi, parce que j'ai l'impression que je rêve. Je dors pas. Mais c'est pas tout. Maintenant, selon le classement de l'école, tu es aussi la plus populaire. Ouais. Mélissa, t'es la meilleure. J'aimerais pouvoir bouger comme elle. J'espère qu'elle prendra une photo avec nous après le concert. Regardez, le TikTok avec Mélissa a déjà été vu 2 millions de fois. Wow. Mélissa. Ça. C'est son numéro? C'est affreux. Faites-la descendre de la scène. Je suis désolée. Je voulais pas. Mesdames et messieurs, je pense que nous devrions annoncer la gagnante du concours Reine de l'école. Peut-être que j'ai eu de la chance et que c'est moi. Une fois de plus, Mélissa est la reine de l'école. Mélissa, tu es la meilleure. Mélissa, quelques mots? C'est tellement inattendu. Pardonnez-moi pour ce malentendu. Les amis, j'arrive même pas à croire que Mélissa soit la reine de l'école pour la 3e année. Ouais. Et d'autre qu'elle? Mélissa sera toujours la reine de l'école. Où est-elle? Oh, préparez-vous, elle arrive. Hourra! Félicitations! C'est tout pour moi?
Je vous remercie. Votre soutien est si important pour moi. Vas-y. Tu as gâché la surprise pour Mélissa. Mélissa arrive. Ouais. Félicitations. Ouais, yeah, bravo. Félicitations. Bravo. Félicitations. Ouais. T'es la meilleure. Attention, ne me décoiffe pas. Tu es notre reine. Hein? Mais je ne vois pas ce qu'il lui trouve vraiment. Pour moi, elle est juste stupide et laide. Rends-le-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est parfaite. Parfaite? Elle? J'ai compris. Tu te moques de moi. Non, t'as pas compris. Je voulais dire que t'es meilleure qu'elle. Oh. Regarde, j'ai une photo avec Mélissa. Et tu peux aussi prendre une photo avec elle. Elle m'a aussi embrassée. Je ne veux pas de photo. Et de toute façon, je suis en retard pour les maths. Elle est parfaite. Et moi, je suis laide. Tous mes camarades de classe ont raison. Et Walt se moque aussi de moi. Et moi qui pensais qu'on était amis. J'aimerais pouvoir être au moins un peu comme Mélissa. Peut-être que je peux devenir un peu plus jolie. D'accord. Par où dois-je commencer? Oh, c'est horrible! Il n'y a rien qui puisse m'aider! Reprends-toi, mauviette! On peut arranger tout ça! J'imagine. Je ne veux pas de poils supplémentaires! Surtout sur mon visage! Mélissa a toujours les dents blanches. Ah, ouais, c'est mieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu ne devrais pas être là. On va devoir penser à autre chose. Je l'ai trouvé. Ouais. Mes autocollants préférés pour les boutons. Non, pas maintenant. Stupide bouton. Un peu de maquillage et je serai comme Mélissa. C'est presque parfait. Il manque juste quelque chose. Oh oui, l'eyeliner. Pourquoi c'est si compliqué? J'aurais aimé qu'on m'apprenne à dessiner des ailes en géométrie au lieu de ces triangles. Bon, on réessaie. C'est parfait. J'ai juste besoin de retoucher mes sourcils et j'ai fini. Oh, je suis déjà si jolie. Mais il manque quelque chose. Oh, c'est vrai, il faut que je rende mes lèvres plus pulpeuses et plus brillantes. Oh, waouh! Qui est cette jolie fille dans le miroir? Ouais. Mélissa ne porterait jamais ça. Oh! C'est ton heure!
Super. École, voici la nouvelle Cindy. Hein? Est-ce que c'est Cindy? J'arrive pas à comprendre ce qu'elle a différent. Wow! Et Wald, as-tu vu ce qui est arrivé à Cindy? Elle a changé d'une certaine façon. Je me fiche de ce que tu penses d'elle. Je pense toujours qu'elle est très belle. C'est bien de ça qu'il s'agit, justement. Elle est moins laide, on dirait. Ou est-ce que j'ai un problème de vue? Elle est magnifique ce soir. Comme toujours. Cindy? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Ça te va bien? Ouais. Je vous remercie. J'ai juste décidé de changer un peu mon image. Tu sais, si tu te mettais un sac sur la tête, tu serais aussi jolie que Mélissa. Ouais. Allez, Cindy, fais pas attention. Oh, désolé. Une ambulance pour aller à l'hôpital ou... Non, ça va. Hello. Bonjour à tous. Waouh, hey, c'est Cindy l'intello. C'est bizarre. Hey, je peux tout entendre et oui, c'est moi l'intello. Eh bien, je suis désolée, mais t'as juste l'air... Enfin, je veux dire... Tu n'as pas l'air comme d'habitude. C'est vrai. En fait, elle est toujours belle. Je l'ai déjà dit. Ou pas. Mais je l'ai toujours pensé. Hein? Oh, qu'est-ce que tu racontes, Ewald? Cindy, comment fais-tu pour avoir un eyeliner aussi parfait? Oui, et les lèvres, je veux les mêmes. C'est juste un pochoir et une ventouse pour les lèvres. Oh! Oh, wow! Chut, 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 chut. Hein? C'est juste ma nouvelle robe parfaite pour ma silhouette. Pourquoi riez-vous? Je me suis salie. C'est une jolie robe. Quoi? Comment oses-tu? Je suis désolée, je savais pas que t'avais la même robe. Tais-toi. C'est pas moi qui ai la même robe, c'est toi qui as la même robe, tu comprends? Et qu'est-ce que tu penses faire? Il n'y en a qu'une qui peut avoir une robe comme ça. Et qui? Moi. Oh! 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 Qu'est-ce que tu fais? J'ai récupéré ton image pour toi. Allez, on y va, il n'y a plus rien à voir ici. Mais comment? Qu'est-ce que t'en penses? Cool ce pyjama. Merci. Ok, je vais y aller. On se voit en cours de maths. Ok, prenez vos places, tout le monde. Merci, Wald. Assieds-toi. On n'a pas beaucoup de temps. On va commencer. Désolée. Je suis en retard. Assieds-toi, dépêche-toi. Merci. Merci encore. Ok. Oups. Y'a pas de quoi. Cindy? Où est ton pyjama? Pas de distraction. Il y a un test à la fin. La touche finale et c'est fini. Wow. Mélissa, tu es magnifique. Tu veux être ma femme? Merci. Non. Elle est si belle. J'aimerais que quelqu'un m'aime aussi. Il t'aime bien? Ouais, très drôle. Mélissa, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me maquiller? D'accord. Mais c'est seulement parce que je suis de bonne humeur. C'est fait. Waouh! Je suis jolie! Merci! Prenez les feuilles de test. Vous avez 15 minutes. L'horloge tourne. Comme d'habitude, qui sera le premier? Ouais.
Oh. Ce maquillage doit être vu par tout le monde. C'est fait! Oh, eh bien, t'es encore la première. Tu veux que je t'aide? Moi aussi! Moi! Moi! Moi, oh. Moi s'il te plaît, moi! Qui a besoin de ce test? Prenez des photos avec moi! Attends, j'ai pas le temps! Allez, résous le problème! Laisse-moi te donner un peu de mon maquillage. Plus tard. Madame Candace, Cindy est en train de résoudre les tests de tout le monde. Merci, Melissa. Ok, Cindy, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est pas moi! Eh bien, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu auras un F comme tous les autres! Sauf Melissa, elle aura un A. Mais c'est pas de leur faute, c'est moi! Tout est dit, vous êtes libre de partir! C'est de votre faute, vous n'auriez pas dû tricher! Melissa, tu peux aussi me maquiller. Oui. C'est fait! Merci. Melissa! Peut-être que je devrais essayer cette fois-ci aussi. Pousse-toi, faut que je poste sur Instagram. Qui sera à nouveau la reine de l'école? En fait, je m'y intéresse aussi. Vraiment, je suis désolée, j'avais pas remarqué. C'est pas grave, ça arrive. Tu pensais vraiment que je me souciais de toi? Ce contenu doit être vu par tout le monde. Chers abonnés, on peut imaginer qu'une intello veuille être la reine de l'école. Arrête, ça suffit! Qui c'est qui est énervé? Et non, tu ne seras jamais comme moi. Elle a peut-être raison. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ici? Rien d'intéressant. C'est juste un autre concours stupide. Pourquoi stupide? À quoi ça sert si Melissa gagne encore? Pourquoi Melissa? Je voterai pour toi, moi. Merci. Mais je ne peux toujours pas battre Melissa. Même avec ton vote. Non, Cindy, je pense que tu devrais concourir. Et je vais me présenter. Peut-être qu'il a raison et qu'on peut faire en sorte que ça marche. Et si ce n'est pas le cas, j'ai l'habitude d'être malmenée. Oh. Plus qu'un peu de gloss à la cerise et je suis prête. Tout le monde fait la queue. N'oubliez pas de prendre des prospectus et de voter pour moi. C'est tout? Il y a mon autographe dessus. Tout le monde est parti. Je suis le premier à faire la queue pour un baiser. Les gars, vous avez vu Cindy là-bas qui distribue des devoirs gratuits? Où ça? Où ça? Et les maths, s'il te plaît. Allez! Ouais. Où vas-tu? Je suis désolé, mais la note de biologie, c'est plus important qu'un baiser pour moi. Quoi? C'est bon, je suis la reine de l'école. J'ai pas à faire attention à cet intello. Waouh, un baiser avec Melissa. Je suis prêt. Non. Ça, c'est pas un comportement royal. Cindy, est-ce qu'il y a un devoir de géométrie? Oui, voilà. Voilà. Merci. Où est mon test? Moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin. Biologie. Oui, tiens. Et le mien. Et biologie. Biologie. Et prenez les prospectus. Merci. Merci, et toi? Cindy. Ok. Oh, il faut que j'aille en cours. Bon appétit. Waouh, c'est quoi ça? Je sais pas. Waouh.
Soyez prêts à être incroyables. La chimie n'est pas une science ennuyeuse. C'est amusant et délicieux. Je suis désolée, je suppose que c'était pas nécessaire. Non, c'était pas nécessaire. Voulez-vous que je vous montre la vraie science? Ouais. Oh, wow. Oh, wow. De vrais bonbons. Comment t'as fait ça? C'est juste des produits chimiques alimentaires. Des produits chimiques alimentaires? Et Walt, c'est ça que tu veux? Laisse les autres essayer d'abord. Je vais essayer plus tard. D'accord, mais attention, il n'y aura plus rien. Je ne veux rien d'autre que toi. On peut encore avoir du gâteau? Oui. En fait, je vais commencer. Je veux un beignet. Et je prendrai un jus de fruits. Attendez, ne discutez pas, ça vient tout de suite. Qui veut des hamburgers juteux? Cindy, on peut en avoir un aussi? Oui, bien sûr. Tiens ça. Laissez passer la reine de l'école. Salut Mélissa. Tu veux que je te crée des petits cadeaux? Merci, mais je vais le faire moi-même. Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Doucement. Laisse-moi tranquille, l'intello. Je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. Ton visage, c'est un peu sali. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une idée. Filme ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? On va gagner des millions. Allez, vas-y, filme. Oups. Qu'est-ce que c'est que cette danse? On filme un TikTok. Pourquoi filmer? C'est facile pour toi de dire ça. Tu fais un million de vues sur chaque TikTok. C'est vrai. Mais bon, d'accord. Je vais vous aider à faire un TikTok cool. Vraiment? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quel type de danse? Vous pensiez que j'allais filmer? Comme ça. Wow. On peut faire la tendance, là? Ouais. La tendance et vous êtes incompatibles. Mais nous, on pensait que... t'allais nous aider à devenir populaire. J'ai aidé. Maintenant, vous avez un TikTok populaire avec moi. Eh bien, merci. Attention à ce que tu fais. Je suis désolée. Fais attention toi-même. Cindy, laisse-moi t'aider. Je ne suis pas d'humeur. Et tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mélissa. J'ai promis de t'aider à faire un TikTok super cool. Et ça s'est terminé comme ça. On va vous aider. Qui ça? Toi? Ewald, tiens ça. On va commencer. Ok. Wow. Génial. Merci. Cindy, t'es la meilleure. Ok, allons-y. Oh, je suis désolée. Allez, c'était pas si difficile. Au fait, pourquoi tu n'essayes pas? D'accord. Peut-être que je peux le faire cette fois-ci. Cindy, soyez prête. Vous êtes la suivante. Déjà? Très bien. C'est à vous. Allez-y. Cindy, allez. Chut. Wow.
Elle a une voix magnifique. Pourquoi elle a jamais chanté avant? Quoi? Pourquoi ils aiment ça? Je peux pas laisser faire ça. Personne ne t'aime. Le public le confirmera, n'est-ce pas? No. Melissa, sors de la scène. Ouais. Tout le monde en a marre de toi. Quoi? Mais vous m'aimez? Non, on aime Cindy. Arrêtez ça tout de suite. Pose-toi de là. Désolée, j'ai encore tout gâché. Oui. Je vais dire non. Passons à l'annonce de la gagnante. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et la reine de l'école, et... Allez, qui sait, on s'éternise pas, là. Quoi qu'il en soit, c'est Cindy qui gagne. Moi? Vraiment? Ouais! Félicitations! On n'a jamais douté de toi. Félicitations! Cindy, c'est pour toi. Merci. Je voulais te dire depuis très longtemps. Je t'aime bien. Je suis désolée. Je suppose que c'était pas nécessaire. Non. Je t'aime bien aussi. Ouais! Wouhou!